Bonjour Nils Monsara. Bonjour. Salut Pierre. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nils, vous êtes secrétaire national du syndicat de la magistrature. Si on a souhaité vous inviter, c'est qu'aujourd'hui, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, présente son projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. C'est donc qu'il considère, puisqu'il a besoin d'un projet de loi, qu'il y a un problème de confiance dans cette institution judiciaire. Est-ce que vous partagez ce constat? Non. Alors, il y a des études très claires qui existent sur le sujet, qui montrent que effectivement, les gens ont plutôt une image négative de la justice, sauf quand ils y sont confrontés. C'est-à-dire qu'en réalité, les gens qui ont été confrontés à la justice sont allés au tribunal, ont été jugés, soit au pénal, soit au civil, constatent tous que les professionnels de la justice, que ce soit les magistrats, les greffiers, mais les avocats aussi, font tout pour œuvrer dans l'intérêt de tous et ont confiance dans la justice. Alors après, on ne va pas se cacher les choses. Il est certain qu'il y a une partie du discours médiatique qui participe à une certaine défiance envers la justice, mais c'est un discours médiatique qui est souvent décorrélé du fonctionnement concret de la justice. Et en parallèle de ce discours médiatique, il y a un bruit politique auquel contribue assez largement le garde des Sceaux, qui est un bruit de défiance vis-à-vis de l'institution judiciaire. Est-ce que justement la question, c'est pas tant un problème de défiance ou de confiance, mais un problème d'accessibilité? La justice, ça coûte cher et elle est loin d'être à la portée de tous. À ça, on est tout à fait d'accord qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pour rendre la justice plus accessible. C'est certain, il y a beaucoup d'efforts à faire. C'est malheureusement pas le sens de toutes les dernières réformes qui ont au contraire éloigné le justiciable du juge, ont mis en place un certain nombre de, en fait, un certain nombre de dispositifs qui sont uniquement là pour éviter que les gens saisissent saisissent la justice. La première étape, quoi, l'une des premières étapes, c'était la réforme sur la carte judiciaire, puisqu'il y a certains tribunaux qui étaient très près des gens et qui ont fermé. Et ça, c'était une première étape qui était une étape très négative, qui a été faite en plus en dépit du bon sens. Mais par la suite, toutes les réformes, et je pense notamment à la loi de programmation sur la justice, sont allées dans ce sens-là, c'est-à-dire mettre des saisines obligatoires, une conciliation obligatoire avant de saisir le tribunal, la création d'une juridiction nationale d'injonction de payer pour que les gens évitent de passer par tribunal, puis traitent tout par courrier, les procédures sans audience avec les ordonnances Covid, la visioconférence au pénal, etc. Alors, Donc, bon, donc c'est pas accessible et en plus c'est cher. Oui, effectivement, la justice est chère, j'y reviens. Les montants, alors c'est un problème d'aide juridictionnelle hein, pour l'essentiel. Les montants d'aide juridictionnelle, d'abord, sont mal. Il y a des problèmes de seuil, c'est-à-dire qu'il faut avoir vraiment pas beaucoup d'argent pour en bénéficier. Ça, c'est le premier point. Et en plus, l'aide juridictionnelle est trop faible pour que les avocats puissent faire correctement leur métier, en tout cas dans un certain nombre de contentieux. Et de ce fait, effectivement, c'est compliqué. Et en plus, c'est trop, par ailleurs. Et ça, c'est vrai. Alors, en vérité, quand on regarde les différents points du projet de loi qui est avancé par Éric Dupond-Moretti, le seul point qui vraiment cherche à résoudre ce problème de confiance, entre guillemets, c'est filmer les audiences. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée? Est-ce que ça pourrait changer des choses dans un sens positif? Alors, nous, ce qu'on dit sur le sujet, en fait, quand on a entendu l'annonce du garde des Sceaux au début, on a été plutôt partagé. En fait, il y a quelque chose d'assez séduisant dans cette idée-là. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens qui connaissent le fonctionnement de la justice trouvent qu'elle fonctionne. Alors, pas si mal que ça, on va dire, plutôt que dire qu'elle fonctionne bien, parce que ça serait assez erroné. Et que peut-être que permettre de montrer comment elle fonctionne serait une bonne idée. Le problème, c'est que ça pose beaucoup de difficultés. Ça pose beaucoup de difficultés. Alors d'abord, parce qu'il y a des choses qui sont très privées quand même. Donc je pense notamment au civil, par exemple, quand les gens vont divorcer, est-ce qu'on a besoin d'étaler sur la place publique quelques affaires qu'on va médiatiser, etc. Ça pose beaucoup de problèmes au pénal aussi, parce qu'il y a des gens qui vont être condamnés, mais ils vont être condamnés à une peine qui c'est pas l'affliction éternelle. C'est-à-dire qu'il y a un problème de droit à l'oubli notamment, etc. Et donc, en fait, ça pose beaucoup de problèmes en termes de dispositifs, c'est-à-dire comment on filme ces procès-là. En soi, pourquoi pas montrer ces procès-là, mais comment les filmer, comment les diffuser, qu'est-ce qui va être mis en place exactement? Et le problème, c'est que là, le projet de loi, il répond pas du tout à ce sujet, à cette question-là. Alors, le garde des Sceaux, quand on l'entend, il nous explique que tous les procès vont être filmés, etc. Quand on voit la chancellerie, donc le ministère de la Justice, au contraire, ce qu'on nous explique, c'est qu'il va y avoir quelques procès témoins
qui seront filmés et qui seront diffusés, même pas à la télé, si j'ai bien compris, et sûrement pas sur Internet. Donc, au final, ça ne changera globalement rien. Voilà. Donc, en gros, c'est une idée qui n'est pas mauvaise, à condition qu'on réfléchisse exactement à la mise en scène, comment on fait les choses. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas réfléchi, ou en tout cas, si c'est réfléchi, on n'en est pas au courant. Voilà. Alors, l'un des points les plus importants de la réforme, c'est le fait que les cours d'assises seraient dès 2022 réservées à ce que l'on pourrait désigner un peu comme les grands crimes, c'est-à-dire les meurtres, les assassinats, les viols aggravés, attentats ou braquages possibles, de la perpétuité ou de 30 ans de réclusion. Les crimes passibles de 15 ans ou de 20 ans de réclusion seraient quant à eux renvoyés devant des cours criminelles départementales. C'est une mesure pourtant que le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, ne voulait pas quand il était encore avocat. Vous dites que c'est plutôt une bonne chose ? Non. Alors nous, quand la loi de programmation judiciaire a été créée, c'est elle qui a mis en place une expérimentation des cours criminelles départementales. Nous, on a dit qu'on était contre. Parce que, alors nous, on est un syndicat de magistrats, mais par ailleurs, on considère que les jurés populaires, c'est bien, ça fonctionne bien. C'est un moment démocratique passionnant. Honnêtement, si les gens ont l'occasion d'aller voir, c'est un moment exceptionnel. Pablo a l'occasion d'en faire l'expérience. Ok, bon. D'accord. Moi, je trouve qu'en tout cas, c'est quelque chose d'incroyable. Par ailleurs, on pense qu'il est plutôt légitime que les citoyens soient associés à cette justice-là, qui est une justice pour des faits très graves. Mmh. Et donc, du coup, on était contre le principe de l'expérimentation même des cours criminels départementales. Mmh. Donc, la généralisation de ces cours criminels, on y est opposé. On pense que, d'abord, la plus-value sera relativement faible. C'est-à-dire que ça ne va pas du tout permettre de traiter beaucoup plus rapidement les affaires, etc. Ça, c'est un point. Par ailleurs, donc du coup, j'ai dit sur la disparition des jurés, des jurés populaires. Et en plus, il y a un symbole qui est quand même assez désagréable, c'est qu'au final, les crimes passibles de 15 à 20 ans, dans leur immense majorité, c'est des viols. Hein. Donc, ouais. Et donc, on arrive en plein MeToo à dire que les violences sexuelles, c'est particulièrement grave. Et au final, qu'est-ce qu'on fait ? On crée une justice criminelle à deux vitesses. Les crimes sexuels qui, dans leur immense majorité, passeront devant les cours criminelles départementales et les autres qui ont le droit au jurés populaires. Voilà. Mmh. Donc, non, on y est farouchement opposé. Alors, le projet de loi prévoit aussi de supprimer les crédits de réduction de peine. Mmh. D'après vous, c'est quoi le message que veut envoyer le gouvernement et surtout, qu'est-ce que ça va vouloir dire par rapport à la question de la surpopulation carcérale ? Alors, le message. Je pense que le message, c'est celui que porte ce matin dans l'interview du Monde Éric Dupond-Moretti. C'est un message politique, c'est un message politicien. C'est-à-dire l'idée générale, c'est de dire les crédits de réduction de peine tels qu'ils existent ont été votés par la droite. Donc en supprimant les crédits de réduction de peine, je vais montrer que la droite, contrairement à ce qu'elle dit, n'est pas plus répressive que moi. Moi, je suis plus répressif qu'elle. Et ça lui permet de court-circuiter le discours de politique de la droite et donc s'imploter politiquement. Maintenant, nous, ce qu'on constate, c'est que, en réalité, c'est un message qui est populiste. C'est un message qui est populiste, c'est un message qui est complètement déconnecté du fonctionnement concret de l'application des peines et de tout ce volet-là, qui est un volet qui est essentiel. Et c'est un message qui est très dangereux. Pourquoi ? Alors, en gros, très schématiquement, il y a deux façons de motiver quelqu'un qui est emprisonné pour qu'il se comporte bien. Là, actuellement, il y a les crédits de réduction de peine et les réductions de peine supplémentaires. Les crédits de réduction de peine, c'est des crédits qui, a priori, sont décomptés, mais s'ils se comportent mal, pourront être enlevés. D'accord ? C'est-à-dire dire que tous les ans, on va, par exemple, enlever trois mois de peine, mais s'ils se comportent mal, le juge d'application des peines pourra lui remettre pour que ça remonte jusqu'à un an. D'accord ? Par ailleurs, il y a des réductions de peine supplémentaires. Ces réductions de peine supplémentaires, c'est quand il va faire quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire particulièrement bien intégré, etc. Il va travailler, etc. Dans les faits, ce système, il permet un peu de compenser l'inutilité de la peine d'emprisonnement. Parce qu'en fait, c'est ça la réalité, la grosse difficulté, c'est que les gens, ils sont emprisonnés, mais pour ceux qui ne sont notamment pas condamnés pour des très longues peines, ils ne vont pas pouvoir vraiment profiter de ce dispositif. C'est-à-dire qu'ils vont juste subir un enfermement sans rien faire. C'est très désœuvrant, très désocialisant, etc. Les réductions de peine, qu'ils soient les crédits de réduction de peine ou les réductions de peine supplémentaires, ça va leur permettre de se resocialiser et d'essayer d'un peu utiliser ce temps à profit. Là, ce que fait le garde des Sceaux, c'est de mettre en gros un seul système, qui est un système de réduction de peine octroyé par le juge d'application des peines,
qui est plutôt basé sur le système des réductions de peine supplémentaires, c'est-à-dire dire qu'il faut qu'ils produisent quelque chose d'exceptionnel. Le problème, c'est qu'en détention, on n'a pas de choses exceptionnelles à leur proposer aux détenus, en fait. Il n'y a pas de travail en détention, quoi, très peu, malheureusement. Et donc, ils arrivent notamment en maison d'arrêt. Quoi ? Ils veulent développer, c'est un des points. Mais alors, très bien s'il arrive à le développer. Très bien s'il arrive à le développer. Pour l'instant, on attendra les faits, parce que des discours sur ce sujet, il y en a eu beaucoup. Si jamais il y arrive, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Pour l'instant, c'est pas forcément. Voilà. On a peur que, globalement, ça ne change pas grand-chose, parce que des discours sur la prison, on en a entendu beaucoup, et malheureusement, ça ne va jamais dans le bon sens, dans les faits. Voilà. Et il faut que les choses avancent, et pour l'instant, on a plutôt l'impression qu'elles reculent. Alors, il y a aussi dans le projet de loi tout ce qui semble découler des affaires médiatiques de ces derniers mois, et notamment évidemment l'affaire autour de Nicolas Sarkozy, la réduction du temps d'enquête préliminaire, le fait que des personnes accusées publiquement dans les médias puissent avoir accès aux dossiers, mais aussi un renforcement du secret des avocats. Comment est-ce que le syndicat de la magistrature se positionne par rapport à ça? On dirait un peu que c'est l'avocat du Pont-Moretti plus que le garde des Sceaux là, qui présente et qui a dicté ce projet de loi. Alors, il y a déjà un problème d'écriture du projet de loi, parce que très honnêtement, c'est des dispositions qui en réalité résultent d'une commission, qui est la commission Mattei, qui a été lancée par le garde des Sceaux à la suite de ces affaires-là, qui a fait son travail en urgence et a pondu un rapport de 30 pages avec des annexes à n'en plus finir, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se mettre d'accord, donc chacun a fait sa petite annexe. Et ce projet de loi, il vient décliner les quelques idées, mais en réalité, qui sont effectivement les idées soufflées par le garde des Sceaux. Il y a des idées qui sont un peu… il y a au moins des idées soit inutiles, soit saugrenues. Inutiles, c'est la question de l'encadrement des enquêtes préliminaires. C'est-à-dire qu'en fait, en soi, effectivement, la durée des enquêtes préliminaires peut être une question. Il est effectivement problématique qu'il y ait des enquêtes préliminaires qui durent très longtemps, etc. Le problème, c'est que pourquoi, il faut se poser la question, pourquoi elles durent longtemps? Et en fait, pourquoi elles durent longtemps? Parce qu'il n'y a pas de moyens d'enquête, parce que les services de police ne sont pas en mesure de faire leur travail correctement, parce que les magistrats n'ont pas forcément le temps de suivre correctement toutes ces enquêtes, etc. Ce que nie Dupond-Moretti, d'ailleurs, dans l'interview du Monde. Oui, mais ce qui est faux, par contre. Ce qui est faux, en tout cas, c'est ce que nous, on constate, c'est que les policiers, les gendarmes, ils essaient de faire leur travail, ils n'ont pas les moyens de faire correctement leur travail. Mmh. Et les magistrats du parquet, on a un nombre de magistrats qui est totalement insuffisant et qui est particulièrement insuffisant, notamment pour les magistrats du parquet. Dans les faits, ils n'ont pas le temps de faire un suivi hyper rapproché de ces affaires. Le dispositif qui est mis en place, c'est de faire donc une autorisation au bout de 2 ans. En réalité, quelles sont les affaires qui durent plus de 2 ans? C'est pas n'importe lesquelles d'affaires en réalité, c'est les affaires en matière économique et financière. Et donc, en gros, ce qui est mis en place, c'est un dispositif pour renforcer les droits du contradictoire uniquement pour les affaires en matière économique et financière. Donc, ce qui est quand même un problème. Alors, il n'y a pas de problème pour que le contradictoire soit renforcé. Nous, on est pour. Hein. On est pour que le contradictoire soit renforcé. On est pour qu'il y ait plus de magistrats qui fassent vivre le contradictoire, notamment. Maintenant, est-ce que c'est normal que ce soit uniquement en matière économique et financière? Je ne pense pas. Voilà. Mais, donc, j'ai donné ma réponse. Par ailleurs, alors, sur les fuites dans la presse, bon, alors là, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est-à-dire que je ne vois pas comment on va s'assurer que ce n'est pas la partie elle-même qui fait fuiter des éléments du dossier dans la presse pour avoir accès au dossier. Et voilà, on arrive sur vraiment des choses qui sont un peu… je me demande qui a pensé ça. Voilà. En réalité, j'ai du mal à comprendre. Et il y avait un troisième point que vous avez évoqué. Oui, c'était les avocats. Ah oui, alors le secret professionnel des avocats. Alors, c'est un problème. Quoi. Nous, on est plutôt pour le renforcement du secret professionnel des avocats. Sur les FADET, ce que ça a montré quand même, c'est qu'il y avait effectivement une insuffisante protection. C'est-à-dire que, en fait, on pense qu'il n'est pas totalement illégitime que dans certaines affaires, on puisse aller consulter les FADET de quelqu'un ou d'un avocat s'il a lui-même commis une infraction. Ouais. Mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait un encadrement adapté. Là, l'encadrement, il nous semble peut-être un peu fort, puisque du coup, il faudrait déjà que les magistrats puissent, dans les faits, vraiment autoriser ce genre de choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a une réflexion, à mon avis, qui est à faire sur le long terme, sur le secret professionnel des avocats, notamment parce que c'est des problématiques qui sont larges, qui sont d'autant plus larges si on élargit
le champ de la profession d'avocat et la question des avocats en entreprise qui est évoquée de manière un peu régulière. Et en tout cas, ça ne se prête pas à, à des dispositions balancées un peu comme ça dans le projet de loi, de manière un peu irréfléchie, qui, à mon avis, devrait être plus mûrement réfléchie que cette initiative-là. Alors, on a une dernière question, Nils. Justement, tout à l'heure, vous faisiez référence à l'entretien au Monde. Dans cet entretien, le garde des Sceaux affirme qu'il est celui qui a le plus œuvré pour rapprocher les avocats et les magistrats. D'abord, pourquoi est-ce que c'est un enjeu, ce rapprochement? Et surtout, est-ce que vous partagez le sentiment d'Éric Dupond-Moretti? Non, alors on ne partage pas du tout le sentiment d'Éric Dupond-Moretti. Au contraire, ce n'est pas en faisant de manière systématique des petites piques dans les journaux en disant que les magistrats sont corporatistes, etc., etc., qu'on va œuvrer au rapprochement avocat-magistrat. Alors après, est-ce que c'est un sujet? Oui, c'est un sujet, les relations avocat-magistrat, malheureusement. C'est-à-dire que c'est un sujet dans certaines juridictions particulièrement, pas de partout. C'est-à-dire que moi, j'ai été magistrat à Dieppe, les relations avec les avocats, ce n'était pas un problème. C'est un sujet dans les très grandes juridictions, c'est un sujet notamment lié à l'immobilier judiciaire, c'est-à-dire qu'on a construit des palais de justice qui sont des palais de justice dans lesquels les magistrats et les avocats ne peuvent plus se croiser et donc de ce fait s'éloignent de plus en plus. Et c'est un sujet qui mérite d'être réfléchi, c'est-à-dire que globalement, les avocats, les dernières réformes, ils les subissent autant que nous, c'est-à-dire que les dernières réformes, elles ont pour but, ce que je disais tout à l'heure, de limiter les flux contentieux, donc en fait, ça va avoir un impact direct sur leur charge de travail, c'est-à-dire qu'on va fermer, par exemple, quand on met en place des barèmes aux prud'hommes, évidemment, ça a un impact sur l'activité économique des cabinets d'avocats qui faisaient que des prud'hommes. Donc, eux, ils ont une situation économique qui est compliquée. Nous, on a une situation professionnelle qui est compliquée parce qu'on est en insuffisance d'effectifs et qu'on a une charge de travail très importante. Du coup, les quelques échanges qu'on a se limitent à du strictement professionnel et encore du strictement professionnel distant parce qu'en plus, on ne peut plus se croiser. Et donc, les relations se sont nettement détériorées. Voilà, vous voulez que les avocats et les magistrats deviennent amis, c'est ça? Non, on veut qu'ils puissent se parler et qu'ils puissent avoir des échanges éventuellement informels, c'est-à-dire de temps en temps, qu'un avocat puisse dire « Écoutez, maître, écoutez, monsieur le président, j'ai un souci dans ce dossier, est-ce que je peux vous en parler deux minutes ?» Alors, ça ne veut pas dire qu'on les jugera en fonction de la… Il n'y a pas de question de proximité. C'est une question d'échange informel et de… C'est un travail, en fait. Il faut aussi que le travail soit agréable. Donc, il n'y a pas besoin qu'on se crie dessus en permanence. Voilà. Et donc, voilà. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nils, pour toutes ces informations. Bah, merci.